Ah oui, ce n'est pas parce que le faux vous a déçu que le vrai n'existe pas. Et des fois, nous sommes tellement intransigeants et sévères à l'égard des prophètes que nous le sommes à l'égard des pasteurs. Un pasteur peut faire une erreur d'herméneutique, vous savez. Il prêche quelque chose, il dit non, Galilée, c'était à 100 km de Jérusalem. Et ça va passer, hein? Ça va passer. Mais quand un prophète fait une petite erreur de français, ou une petite erreur dans ce qu'il a cru voir, on va le flageller et le tuer. Comme si ce n'est que lui qui a le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit n'était pas capable de dire au pasteur que ce n'est pas à 100 km de Jérusalem. Frère, des fois nous sommes seulement hypocrites et méchants. Et sans le savoir, nous jouons le jeu du diable et nous bloquons l'église qui doit bénéficier de la grâce de Dieu. Votre oncle a été mal opéré. Hier, j'ai reçu une dame. J'ai reçu une dame au bureau. Elle est venue avec une béquille. Vous vous rappelez? Elle est venue avec une béquille. Celui qui traitait la femme l'a maltraitée. Elle a eu un problème et sa situation est devenue pire. Ceux qui étaient là au bureau ont vu une femme avec une béquille hier.